à vous remettre, cher Président, le trophée pour le transmettre aux représentants du ministère de l'Éducation nationale. Je vous connais, puisqu'on a été à Bruxelles ensemble, dans le cadre donc d'une invitation que l'Union bancaire francophone nous a adressée, nous-mêmes étant membres donc de cette union. Et à cette occasion, vous avez livré dans la capitale bruxelloise, belge, à Bruxelles, une brillante intervention qui a valu à la Côte d'Ivoire beaucoup de félicitations de la part de nos pairs. Et je vous retrouve aujourd'hui encore à nos côtés, vous le grand spécialiste maison de l'inclusion et de l'éducation financière. Nous en sommes heureux et nous sommes heureux que vous avez traduit fidèlement le message du ministre Kandia Camara qu'elle voulait laisser et adresser donc à la population ivoirienne qui fait l'objet aujourd'hui des journées du banquier, des journées qui accordent à la pauvreté tout le mérite, toute l'attention que le pays devait lui accorder. Je voudrais, au nom de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, vous remettre ce trophée. Ce trophée pour que vous puissiez dire à Madame la ministre que nous sommes heureux de sa participation active à ces journées. Vous lui traduirez une fois de plus toute notre gratitude. Président, merci pour ces mots très gentils, d'abord à notre endroit. Et je voudrais, au nom de Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, vous dire encore une fois, au plus, merci. Merci pour tout ce que vous faites à la tête de l'APVERSI. Je lui transmettrai fidèlement, en tout cas, ce message reçu et le trophée. Et je puis vous assurer et vous rassurer que Mme Kandia Camara est convaincue que si nous voulons lutter contre la trappe de la pauvreté, il faut donc installer durablement l'éducation, l'éducation financière dans l'esprit des citoyens. Et comme les citoyens passent, en tout cas, à au moins 90%, 95% par l'école, alors elle a trouvé opportun de commencer à installer la culture financière dans les esprits des enfants, tout en luttant naturellement aux côtés des adultes pour leur donner les outils pour dévier, on va dire, déjouer les pièges de l'endettement et du surendettement qui sont massifs. En tout cas, merci une fois de plus et bonne suite du programme. Merci infiniment, Président. Félicitations. Monsieur Okwasi, Félix, merci beaucoup. Je vais, dans la suite de ce programme, inviter ici à venir me retrouver pour justement avoir un échange après ces deux présentations. Monsieur Albia, sous vos applaudissements pour venir nous entretenir sur ce débat. Merci, je voudrais inviter nos deux conférenciers. Nous allons, ce n'était pas prévu au programme, mais il y a une demande qui vient du fond. Nous allons nous autoriser un petit échange et permettre à l'assistance de poser des questions à nos conférenciers sur ces deux programmes qui sont en cours, les programmes à venir pour le ministère de l'économie et des finances et les programmes qui sont déjà en cours et qui ont eu des actions de terrain. Donc je voudrais inviter M. Yaro Félix et inviter M. Akandi à nous rejoindre donc sur ce podium et inviter à l'assistance les personnes qui ont des questions et qui veulent des éclaircissements. Nous allons prendre la question et automatiquement donner la parole aux conférenciers pour y répondre. Voilà. Oui, Monsieur Blaise Awantchede, directeur général du GIM UEMOA, que je voudrais saluer, qui nous fait l'honneur de venir de Dakar pour les journées de banquier. Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour d'abord remercier le président de m'avoir associé
cet événement. C'est la première fois que j'assiste. Les dernières fois, je n'ai pas eu l'occasion compte tenu des conflits d'agenda. Cette fois-ci, il y a une semaine, j'étais là et je reviens avec beaucoup de plaisir sur cette terre que j'apprécie beaucoup, vous le savez bien. Bon, pour aller directement dans le vif du sujet, je tenais d'abord à féliciter les deux conférenciers pour la qualité de leur communication, à la fois complémentaire et suffisamment orientée vers les enjeux aujourd'hui d'inclusion financière. Une première question tout de suite, c'était de savoir comment ils font l'articulation entre l'inclusion financière et l'éducation financière. Ça, c'est ma première question. La deuxième, quels sont les objectifs précis qui pouvaient gouverner toute stratégie d'éducation financière au niveau de la Côte d'Ivoire, mais dans un contexte, la Côte d'Ivoire n'est pas seule d'intégration, puisque nous sommes un pays. Et je sais qu'au niveau de la Banque centrale, il y a la stratégie d'inclusion financière régionale qui doit être déclinée au niveau national. Comment vous voyez l'articulation? Parce que la Banque mondiale va faire une étude, mais il y a une stratégie qui est là. Comment vous voyez cette articulation? Et enfin, il me semble qu'il faut avoir à l'esprit que l'industrie bancaire et financière évolue. Au moment où, quand on regarde les flux financiers au niveau de la banque, à côté des flux au niveau des... Vous les connaissez, les acteurs nouveaux, comme les opérateurs de téléphonie mobile, et quand on voit l'offre de services aujourd'hui proposée par ces acteurs-là, je pense qu'il serait utile de les intégrer dans la réflexion. Et cela peut amener, me semble-t-il, une évolution de la réglementation pour favoriser, parce que le mot bancarisation est un mot suffisamment ancien. Je ne sais pas si c'est très adapté encore avec notre monde où il y a une jeunesse qui est très forte, qui, me semble-t-il, font tout à partir de leur téléphone ou à partir de leur site internet. Il y a une vraie réflexion à avoir pour adapter nos stratégies d'inclusion financière, d'éducation financière. Voilà un peu mes trois préoccupations que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup. Un élément de réponse avant de prendre la deuxième question. D'accord, je vais laisser donc nos deux conférenciers. L'articulation inclusion financière, éducation financière, les objectifs de tous ces programmes-là et l'adaptation au nouveau monde qui est un monde mobile et un monde digital. Ok, merci à M. Blaise Awantjede, directeur général de GIM Urban pour ces questions. Ce que je pourrais déjà dire, c'est que la stratégie d'inclusion financière prévoit qu'il y ait une éducation financière. Ça, c'est déjà le premier distinguo à faire. C'est-à-dire que pour que l'inclusion financière produise les résultats qu'on attend, il faudrait penser à une réelle éducation financière. Et dans cette éducation financière, bien entendu, pour qu'elle soit également à la hauteur de ce qu'on attend, il faut mener des études, pouvoir diagnostiquer où est-ce que nous en sommes en matière d'éducation financière, de voir nos faiblesses, de voir nos forces pour pouvoir dégager une stratégie qui va nous permettre d'améliorer l'éducation financière en Côte d'Ivoire, bien entendu, qui s'intègre dans la problématique globale de l'inclusion financière. Ça, c'est la première réponse que je peux donner. En ce qui concerne aujourd'hui la digitalisation effectivement de nos économies, donc en matière bancaire, vous avez parlé de bancarisation qu'il faudrait revoir. Je suis à la fois d'accord avec vous, mais également pour qu'on puisse élargir la réflexion. Et c'est pour cela même que tout à l'heure, en passant, j'avais voulu vous voir. On s'est dit aujourd'hui que nos populations n'ont pas suffisamment accès aux services financiers des banques. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens qui existent, le téléphone portable, on arrive à faire des opérations financières, mais on se dit qu'il y a une partie de services financiers qui échappe encore à ces populations-là. Donc, pourquoi ne pas faire ce couplage-là, qu'on appelle aujourd'hui mobile banking, donc entre la banque, on la connaît de façon classique, et puis l'évolution de la technologie aujourd'hui
qui nous permet de donner aux populations des services financiers un peu plus approfondis. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle nous allons travailler encore pour l'année prochaine. On compte approfondir ça, développer le mobile banking pour permettre aux populations effectivement de bénéficier non seulement de tous les services de la banque, mais également de la flexibilité voilà, qu'offrent ces nouveaux outils-là. Donc bon, ce sont les deux questions pour lesquelles j'ai quelques éléments. L'autre, je ne l'ai pas bien retenu, mais si ça vient, je pourrais apporter éventuellement. Donc je vais laisser M. Yao Félix donner quelques éléments. Bien, merci bien. Je voudrais à sa suite, revenir d'abord sur les deux concepts. L'éducation financière, on ne va pas le définir, mais on va résumer en disant qu'il s'agit notamment de donner des compétences, de donner la capacité financière et surtout la confiance aux différents acteurs pour une meilleure gestion, une meilleure utilisation, on dira des services financiers qui sont mis à disposition. Alors, donc, vous comprenez que du coup, on va dire, il faut une nécessaire, on va dire, alliance des deux concepts. Parce que faire de l'éducation financière sans que cela ne soit couplé à une inclusion financière, donc la mise à disposition des services financiers, ce serait prêcher dans le désert. Et par contre, si vous faites de l'inclusion financière sans toutefois éduquer à la base, on va dire la population, on peut avoir les outils, ne pas les utiliser ou les utiliser de mauvaise manière. Donc comprenez que les deux vont de pair. En termes de stratégie, pour que la population ait naturellement accès à une inclusion financière réussie, on va dire que les stratégies sont nombreuses. Il a énuméré dans son exposé, on va dire, un certain nombre d'éléments. Nous, à la base, au niveau du programme d'éducation financière, nous avons quelques stratégies propres que nous déployons au bénéfice des populations. Mais ce que je voudrais retenir, c'est que la question de l'éducation financière doit être traitée de façon holistique, de façon globale, tant au plan, on va dire, national qu'au plan sous-régional. Et c'est cela que je suis d'avis avec vous, qu'il faut qu'une rencontre qui permet donc à toutes les parties prenantes, tant au plan national qu'au plan sous-régional, puisse se tenir et qu'ensemble nous puissions définir véritablement les objectifs que nous voulons en termes d'éducation et d'inclusion financière pour nos populations. Pour ne pas que ça soit, on va dire, la mode. Oui, ça, l'Afrique sait bien développer des modes autour des concepts, mais il faudrait que, étant entendu que l'éducation et l'inclusion financière doivent permettre à nos populations de sortir de la pauvreté, il faudrait que nous puissions aller à fond dans le sujet. Voici un peu ce que je voudrais apporter. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Deuxième question ici. M'a été levé et hello, je suis docteur Rodifo, président de la fédération des PME. Je voudrais donc à mon tour remercier la PEPTI pour nous avoir invité à partager ces moments. Vous savez qu'au niveau des PME, la question du financement est une question essentielle et pour cela. Entre les banques et les PME, il y a souvent de grandes discussions. Il ressort qu'au niveau des PME, justement, il y a ces difficultés dans le management, difficultés à connaître justement les instruments financiers. Et si nous sommes sensibles à, comprenons et approuvons vraiment toute cette politique qui va être menée vers l'éducation financière, la première question qu'on est amené à se poser, nous qui sommes amener à nous occuper des problèmes des PME, qu'est-ce qui est prévu peut-être immédiatement pour ces PME-là? J'ai entendu parler du diagnostic qui va aboutir à une stratégie, si j'ai bien compris. Je suppose que ça prend en compte justement les PME, c'est bien ça? Voilà. Et donc, ma question est un peu, s'oriente beaucoup plus vers ces PME-là, comment on voit cette politique vers ces PME et qu'est-ce qu'on peut faire peut-être immédiatement pour ces PME. Est-ce qu'on peut prendre une troisième question, s'il vous plaît? Bon, on va déjà répondre à celle-là. Qu'est-ce qui est prévu immédiatement pour les PME en termes d'éducation financière? C'est vrai qu'on
On commence avec les jeunes à l'école secondaire et chez les étudiants. Mais il y a urgence, si j'ai bien compris, M. Bourguifo, il y a urgence du côté des PME. Ça va même peut-être faciliter le travail des banquiers si les PME sont un peu mieux éduqués sur le plan financier. Je vais laisser la parole à M. Akandi. Ok, M. Yao Félix, avant. Merci bien, M. Akandi. C'est bien ça, hein? Bourguifo, que dis-je? Pardon, Akandi, il est juste derrière moi. Monsieur Bourguifo, j'ai, on va dire, la chance de siéger au sein de la commission de financement du secteur privé de la CGSI. Et à ce titre, je crois que des actions sont en train d'être menées dans ce sens. La finance engage, qui vient de s'achever, la deuxième édition, a donc fait le focus sur la question de la formation des PME, des dirigeants des PME en matière d'éducation financière. Parce que nous sommes d'avis avec vous, naturellement, que ce n'est pas parce qu'on devient dirigeant de PME qu'on a tout de suite la culture, l'intelligence financière nécessaire pour conduire son affaire. Et la commission de financement du secteur privé a estimé, d'après les études qui ont été faites, que des besoins sont exprimés à les dirigeants des PME. Un programme a été déjà élaboré et je crois que dans les jours, les semaines, les mois à venir, il y aura tout un programme qui va dérouler au bénéfice donc des PME. Je peux vous rassurer sur ce point parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec donc la commission sur ce dossier. Voilà, je vous remercie. Ok, merci. Je crois que relativement à votre préoccupation, je crois qu'elle est d'ordre général. Et la lucarne que nous avons ce jour nous permet d'intégrer ces besoins spécifiques-là dans nos programmes immédiats. Je dois préciser que le Trésor a un programme d'éducation financière pour 2018 et cela doit faire l'objet d'une présentation demain, je crois, ici même. Donc si la question des PME n'est pas prise en charge de façon particulière, mais je crois que dans la stratégie, voilà, nous allons en tenir compte. Et s'il y a des actions immédiates qu'on pourrait mener en collaboration avec les associations des PME, en tout cas, ce serait le bienvenu. Merci. Une autre question, s'il vous plaît. Un doigt levé que je ne vois pas, un micro, parce qu'on a une hôtesse, oui, un micro de ce côté-ci. Merci. Ok, merci. Moi, c'est Diamant Mraz. Je suis le responsable du réseau des leaders des grandes écoles de Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier les deux panélistes pour leur brillante intervention. En fait, il faut dire que je suis très honoré, je suis très content ce matin de voir que déjà le ministère de l'Éducation nationale pense déjà à nos petits frères qui sont au primaire et aussi au secondaire. Le réseau des leaders, en fait, a trois missions. La promotion du leadership, de l'entrepreneuriat et aussi la session professionnelle. Donc aujourd'hui, concernant la question de l'éducation financière, aller déjà à la racine pour remédier le problème, c'est vraiment très, très important. Donc ici, ma question, c'est de savoir comment les stratégies que le ministère de l'Éducation nationale a abordées, comment cela va se faire de façon pratique dans les écoles primaires et secondaires, et aussi que le supérieur qui est les grandes écoles de Côte d'Ivoire et les universités. Ma question est là. Merci. Nous allons essayer de rajouter une autre question que nos amis puissent, nos conférenciers puissent répondre. Ok, on va y aller directement. Monsieur le conférencier, stratégie de mise en œuvre pratique sur le terrain. Comment est-ce que vous comptez déployer les programmes qui sont prévus
sur ce terrain-là pour amener nos jeunes.